Salut tout le monde, c'est Kiloué. Après une longue absence, me revoilà pour l'épisode 12 du Let's Play de Tomb Raider en compagnie de Lara Croft. C'est parti pour l'intro. Donc, je vous rappelle que j'avais un objectif, mais juste avant, je voulais visiter ce petit tombeau secret. Alors, juste ramasser les munitions ici. Il se trouve juste à côté de notre campement. D'ailleurs, j'ai joué à peu près, je pense, 2 minutes hors caméra. Juste de quoi ouvrir un coffre et j'ai débloqué une nouvelle pièce pour mon fusil à pompe ou mon fusil, je sais plus lequel. Mais j'ai toujours pas vu, donc je sais que j'ai une arme au feu de camp qui m'attend. Faudra que j'aille voir ce que c'est. Et là, juste avant, je vais faire ce petit tombeau secret qui n'a absolument rien à voir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Tomb Raider, ça doit faire 4 jours. C'est trop long ça. Mais entre deux monstres sur Monster Hunter, je suis de retour sur Lara Croft, sur Tomb Raider plutôt. Alors, j'ai complètement oublié les touches, c'est bien d'abuser de la Wii U. Y a pas... Ok, je peux plonger, je suppose, c'est parti. Encore un tombeau japonais, je pense. Je sais pas, j'avais vu. Ouais, non, peut-être pas en fait. Ça a pas l'air d'être un bunker. Ok, on y arrive quand? Ah bah, j'y suis. Temple de. Cette grotte a servi de lieu de culte. Cette grotte a servi de lieu de cul. Ouais. Alors, je vais aller au campement pour voir un peu. Si je veux accéder à la chambre des rituels du monastère, il faut réparer ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large, mais il faut que j'y arrive. C'est okay. Surtout Reyes qu'il ne sera pas facile de persuader. Oh mais Reyes, on lui met... auprès de sa fille, et la mort de Ross l'a bouleversée. Ouais. Comme nous tous. Ouais. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam, mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. Elle est avec nous maintenant. Faut que je lui annonce à Reyes, c'est vrai. Parce que je vous rappelle qu'ils sont en train de réparer le bateau et qu'ils veulent se tirer avec. Sauf que moi, je vais leur annoncer. Non, non, on s'en va nulle part. Je vais prendre le bateau et je vais monter à la rivière. Alors, voilà l'arme que j'avais débloquée. C'est l'arc de compétition qui va remplacer mon arc à poulie. C'est nickel. Allez hop. Voilà, arc de compétition. Donc, comme je vous ai dit, j'ai ouvert un coffre, je l'ai débloqué. Ensuite, point de compétence, je pourrais prendre ce qui va avec. C'est-à-dire chasseur, je pense, ouais. Expert en pistolet, expert en fusil ou fusil à pompe. Expert en fusil, tiens. Achever les ennemis à bout portant avec le fusil pour gagner des récompenses supplémentaires. Exécuter vos ennemis à bout portant pour plus de récompenses. Ouais, tiens, je vais prendre le pistolet, allez. Appuyez sur F pour achever les ennemis étourdis avec le pistolet et gagner un bonus d'XP. Ok, d'accord. Maîtriser. Nickel. C'est bon. 8 sur 10 centré du journal de Lara. Ah, et l'arc. Ah oui, il est magnifique l'arc. Il est encore plus beau que celui que je lui avais, regardez. C'est vraiment un arc de compétition. Ah oui, il est vraiment stylé. Je le préfère à celui que j'avais tout à l'heure. Ouais, il est vraiment bien fait. Donc, où est-ce que je me trouve? Ça s'appelle le tombeau des servantes. Un lieu de cul, de culte. Ça, faut que je tire. Ça, je sais qu'il faut que je le tire, mais c'est relié à quoi? Pour pouvoir sauter de l'autre côté. C'est relié à quoi en fait? Laissez-moi avancer un peu en avant et voir ce que ça donne. Là, y'a rien. Ok. Juste là. Ok. Si j'ai tourné ça. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ça ressemble à une pêcherie. Une pêcherie, ouais, bah oui, c'est si marre les systèmes chelous pour pêcher là. Alors. L'instant. Ok, j'ai le. C'est quoi ça? What the fuck is this? Est-ce que je peux tirer ça? Ça m'en a pas l'air. Passer par là. Et alors? J'ai ça qui est interactif. La plateforme sur laquelle je suis aussi là. Enfin, cette plateforme là.
En fait, il suffisait juste de faire ça. Allez. Ok, c'est tout ce que j'avais à faire. Ah ouais, pousse, voilà, nickel. Du coup, je vais monter, hein, c'est bon. Ça m'a ouvert le passage. C'est nickel. Ensuite, ça, faut que je le tire avec un coup de flèche, je suppose. Maintenant que ça s'est passé, je peux tirer. Voilà. Ah non! Merde, je peux pas trop tirer sur ce truc. Y a pas un truc sur lequel accrocher mon arc vu que j'ai des flèches assez puissantes. Ok, y a vraiment pas grand chose autour de moi quoi. Ça je l'ai passé, ça aussi je l'ai passé. Ok. J'ai que ça. Ah oui, faut cramer ça peut-être. Non, même pas. Ok, on est observé le truc 2 secondes, donc on prend vite fait le système. Alors cette balise là fait le tour grâce au courant. Et donc c'est super facile en fait. Étant donné qu'elle tourne autour du truc, faudra que je la pousse, enfin que je la force à aller là-bas. De toute façon elle y va toute seule, la balise. Faudra juste en fait que je tire sur la corde ici au bon moment, histoire que ça pousse la barrière là-bas et donc m'ouvre la voie. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors je vais essayer de faire ça bien. Allez. Voilà, je me casse. Ensuite, ça va m'ouvrir le passage ici, logique. Allez, voilà. Nickel. Maintenant, vite, faut que je tire ici. Allez. Et là, logiquement, ça va venir le tourner encore plus. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est facile. Et je pense que c'est l'énigme de ce tombeau. Ils doivent utiliser cet endroit pour stocker de la nourriture. Voilà. C'était aussi simple que ça. Enfin, aussi simple, oui. C'était simple en fait. Voilà, le temple des servantes. Moi, je disais le tombeau des servantes. Et 3 sur 3 pièces d'un pistolet, ok. Plage des épaves, des géocaches, ok, nickel. Bon bah ça fait un tombeau de pied en plus, j'en ai... Ça en fait quand même quelques-uns durant toute l'aventure. Maintenant, droit vers l'objectif plutôt. Je vais juste me tirer d'ici, je vais aller voir mon pistolet. Tiens, j'avais un feu de camp juste là, je vais en profiter. J'ai un feu de camp juste ici, je vais aller regarder l'amélioration de mon pistolet. Ça pourrait être assez intéressant vu que c'est une arme que j'apprécie pas mal. Alors, le feu de camp, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pistolet Magnum. Échange d'armes, pistolet tactique contre pistolet Magnum. D'accord. Ok. Voilà. À quoi il ressemble ce fameux pistolet? Ouh, on voit pas. Ouais, ça a l'air d'un Desert Eagle quoi. Voilà. Normalement, un pistolet qui fait un peu plus de dégâts et tout. Ça me sera un peu utile, hein. Enfin ça me sera pas mal utile étant donné que mes armes sont vraiment en retard vu que j'ai pas du tout farmé. Mes armes sont pas mal en retard étant donné que je joue en difficile en plus. Ça me permettra de bien me démerder. Bon, maintenant on a eu une petite phase paisible, calme, exploration tombeau, petite énigme. Direction le temple. Saute. Par là. Voilà. Je me tire d'ici et je me dirige vers le temple et après je leur vole le bateau et je monte la rivière avec leur bateau. Toujours aussi impressionnant ces graphismes, ces grottes et tout. L'ambiance est vraiment sympa. Carte mise à jour, ok. Je ne peux pas faire ça. Si, tu peux faire ça. Je voulais éteindre la torche, elle me dit non. Et nous voilà à la sortie, à l'air libre. Grimper en direction de la base de recherche. Qui se trouve... Dans quelle direction se trouve la barre de recherche? Enfin, la barre de recherche, la base de recherche. Par là, ok. Je pense que j'en ai encore pour 2 heures de jeu à peu près. Donc sûrement encore cet épisode et le prochain.
Je vais quand même pas faire un épisode de 2h30, ça mettra à peu près 15 ans à uploader et à faire le rendu, vu que c'est en qualité originale. Du coup, ça se fera en 2 épisodes. Y'a rien de spécial ici ? Non, c'est bon. J'entends le cochon. Ok, c'est par là. Je peux passer. Nickel. Ah ouais, j'ai jamais été là. Je pensais être venu par là, mais non, au final. Maintenant que j'ai mon arc, ça, j'ai la poulie, l'ascendeur, comme ils appellent ça. L'ascendeur me permet de forcer les portes. Ok, on va enfoncer ça. Allez, forcer plutôt. Ok, je suppose que je vais devoir y aller à pied, si je puis dire ça comme ça. De quel côté là? Pas par là. Attendez, je vais monter juste. Voilà. Est-ce que je peux monter? Ah là, il y a juste un tuyau juste ici. Tu peux sauter s'il te plaît? Ok, merci. Ensuite ici. Voilà, faut pas que j'oublie de m'accrocher, je l'oublie tout le temps. J'oublie d'appuyer sur E. Et du coup, elle s'accroche pas, elle tombe comme une débile. Je fais le tour par là. Et là, je pense qu'il va y avoir un comité d'accueil. Je dois entrer dans la base de recherche et je pense pas qu'il y ait que des chercheurs dans la base. Je pense qu'il y a même plus de chercheurs en fait. D'accord. Je peux pas ramasser. Ah, c'est des grenades, je peux pas les ramasser. Là-bas. Maintenant j'ai l'ascendeur, je peux monter tellement vite. Comme ça. J'adore ce truc. Ensuite par là. Oh non, j'ai oublié. Oh. Je vous l'avais dit, j'oublie tout le temps d'appuyer sur E quand je saute et ça se fait pas automatiquement en fait. Pour planter le piolet, ça faut appuyer sur la touche. Putain. Allez hop, fail, numéro 1, fait. Je vais pas refaire la même connerie deux fois de suite par contre. Allez. Je me suis accroché trop tôt là. Voilà. Ensuite ici. Ah non, putain. Non, c'est Lara qui a mal aux jambes et donc qui fait en sorte qu'elle ne puisse pas escalader. Comme avant. Alors, troisième tentative. Putain, j'ai tellement perdu la main. On dirait que j'ai pas joué depuis 10 ans. C'est bon. Accroche-toi, voilà. Je vais essayer de pas tomber. Voilà, c'est bon, je peux monter. Bon, ça aura pas été facile, mais j'ai réussi. Là, j'ai réussi. J'approche du centre de recherche. J'ai bien peur que oui. Un géocache ici. 3 sur 15 de la plage. Je suis pas prêt de tous les avoir. Mon objectif se trouve au sommet de cette tour. J'ai raté un truc là. Nope. Qu'est-ce qu'il faut que j'escalade là au juste? Ok, faut que j'arrive au sommet de cette tour. Avoir raté un truc. Sûrement juste ici. Je savais pas que j'étais aveugle. Je viens de le découvrir. Ah, c'était devant mes yeux en plus. C'est bon. C'est juste là devant mes yeux. Là, il y a des barbelés partout. Pour bien te faire chier. Ça fait longtemps que j'ai pas croisé d'ennemis. Et je sais pas pourquoi, je sens que je vais être servi. Ok. Entrer dans la base de recherche. Ah, j'allais dire, j'ai l'impression que c'est assez loin pour sauter, mais il suffit de tirer vers moi. C'est bon.
Ah, elle revient tout de suite après, ok. Je vais tirer ça vers moi. Fou. J'ai eu chaud. C'est bon. Je suis pas raté. Le centre de recherche se trouve à deux pas d'ici. Est-ce que c'est une corde que je dois... Allez, accroche-toi. J'y suis, les gens. J'y suis. Je touche à la paroi du centre de recherche, là. Je vais connaître la cause de tous ces problèmes, de toutes ces tempêtes, de tout ce pouvoir, tout simplement. Je me demande s'ils vont partir sur un truc mystique ou un truc purement scientifique, genre une technologie inventée par les Japonais pour dévier les avions et une sorte de... Il y a des Oni dans ce tombeau. De synthétiseur de tempête, en fait. C'est l'équipe OMS qui t'a dit ça? Ouais. Pareil qu'il y en a qui... Oh, wow, il m'a mis un coup de katana. Et voilà. Je vais plus jamais me frotter à lui, cet enfoiré, avec son katana, là. Putain, il m'a eu tellement cher. On a des sortes du patron. Et regardez, c'est aléatoire, les ennemis. Cette fois-ci, il a pas de katana. Ah, si, je dis de la merde. Il a un katana, c'est juste qu'il a un arc aussi. C'est bon? Ok, nickel. Oula, ils ont vraiment pas l'air faciles à tuer, ces enfoirés. Quelques flèches. Quelques munitions aussi. Tiens, pour moi. Ouais, pour mon fusil d'assaut, ça pourrait être pas mal. Nickel. Par là. Ils sont partout, on dirait qu'ils m'attendaient. Les mecs, ils étaient... Allez, accroche-toi à la corde, on va attendre quelques années. Jusqu'à ce que Lara arrive. Je suppose qu'il faut aller là-bas. J'ai pas l'air de l'atteindre, cet enfoiré de centre de recherche. J'arriverai à y accéder un jour. Accroche-toi. C'est bon. Y'a pas d'ennemis dans le coin. Non, c'est bon. Est-ce que je peux atteindre l'échelle? Ouais, je pense que je peux l'atteindre. Allez. C'est bon. Elle tourne dans les airs. 686 points de ressources, ok. C'est bon, je suis à l'intérieur. J'ai réussi à entrer dans ce foutu complexe. Il y en a un qui avait l'air de compter les jours. Il a pas survécu très longtemps, apparemment. Une vingtaine de jours. Ça, c'est le canon. Ah, j'ai l'impression d'être déjà venu ici, quoi. On dirait exactement le même endroit que là où j'ai été la dernière fois pour le tombeau secret. C'est terrifiant. J'ai vraiment l'impression que... Ouais, c'est le même canon, regardez. Je sais pas, j'en suis pas sûr, en fait. Ça y ressemble tellement. C'est le même décor aussi. Bon, après, c'est normal que ça se ressemble, vu que c'est les mêmes bunkers, les mêmes types. Découvrez le tombeau ancien. Oula. Ok. Lieu actuel, base de recherche. Est-ce que je peux me larguer? Il y a l'air d'y avoir de l'eau en bas. Ok, 3, 2, 1, go! Ça va. C'était pas très dur à l'atterrissage. Un petit géocache pour la route. Base de recherche 1 sur 3, ok. Quand le jeu est trop calme comme ça, ça présage vraiment rien de bon, quoi. Ça ne présage vraiment rien de bon.
peut-être par là. C'est pas par là qu'il faut que je passe. Allez, glisse-toi, putain. Ah, par là. C'est bon. Ok, 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 ok. Y'a vraiment... Ah, si. Regarde tous ces cadavres. Pas si fort. Léonie sont là. Oui. Et tu veux qu'ils nous trouvent ? Viens de là. Continue à chercher la fille. Léonie sans là, c'est qui ça Léonie? Ou j'ai entendu Léonie et sans là. C'est quoi un Oni? The fuck. Ok, un livre. Peu après la découverte du tombeau, les Oni sont apparus. Tiens. D'abord, les lumières se sont éteintes. Et puis, les hurlements ont commencé. Ce bruit abominable résonne encore dans mon esprit. Ils portaient les armures de mes ancêtres et nous attaquaient avec leurs épées. Des coups de feu, des cris, du sang. Nous n'avons rien pu faire pour les arrêter. Nous étions plongés dans le chaos. Puis, le silence. Ils étaient partis. Mais pourquoi sont-ils partis? Pourquoi ne nous ont-ils pas tués? Le capitaine Osaka a pris le commandement. Nous quittons la base, mais pas l'île. Nous avançons dans les terres, vers le monastère. Nous n'avons pas le choix. Nous devons suivre Léonie. Puisque nous ne pouvons pas contrôler l'étoile, nous devons la détruire. Mais je sais que nous allons tous mourir. Le même soldat, il évoque encore Léonie. Léonie, si vous préférez. S'agit-il de ces choses que j'ai vues dans le monastère? Ouais, les Oni, donc, seraient... ils avaient pas l'air d'avoir... découvert, sont apparus. D'abord, les lumières sont éteintes. Les armures de mes ancêtres. Tes ancêtres, ils étaient plutôt gros, quoi, pour porter des armures comme ça. Et donc, il dit que s'il détruit l'étoile, il sait qu'il va mourir, ok. Ok, ok, ok. Vous savez quoi? Je sens les spoilers arriver. Je pense que... je vous posterai cette vidéo une fois que j'aurai fini le jeu. Parce que ça a l'air assez intéressant là. Impossible de poser le camp, il y a des ennemis à côté. Je sais pas pourquoi mais je sens la fin tragique où tout le monde meurt hein. Non même pas, attendez. Avec le flingue. Oh, merde. Merde, j'avais pas vu lui. Il a me tué. Il a failli me tuer. Avec une seule. Oh là! What the fuck? Oh. J'ai tellement flippé. Ah, j'ai tellement flippé parce que j'entendais plus rien à part son cri, quoi. Ah, mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile quand on tombe face à face avec un ennemi. Il y a un peu beaucoup de cadavres là, je vous avoue. Ok. Ok, ok. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Dans les niveaux inférieurs. Oh, non, il est bloqué. Putain, je dois me démerder tout seul, je suppose que je prends l'escalier. C'est là que je dois aller. Ouais, ouvre la porte. C'est quoi ces bruits que j'entends en bas? Attendez, il y a un passage par là à gauche. Oula, j'ai peur de sauter et de mourir en fait. Voilà. Crac. Donc je dois descendre tout ça, au moins j'ai vu ce que j'avais à descendre. Et je pense que ça va être un peu la galère. Bon, franchement, ça le change. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Ok, ok, on a... Ah oui, je dois appuyer sur le bouton pour réactiver l'ascenseur, ouais. Non, il est bloqué. Ok. Là, c'est bon. Par là, c'est fermé. C'est là que je dois aller. C'est là que je dois aller, ouais, 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 bah oui. Ok. Comment est-ce qu'elle pourrait y aller? L'instinct animal nous dit que... il n'y a absolument rien... dans les environs. Ah si! C'est quoi ça? À moins que ce soit juste à cause de la lumière, en fait.
Ouais, je pense que c'est juste à côté de la, à cause de la lumière que c'est éclairé comme ça. Ah non, regardez, il y a même une caisse à côté. Voilà, aussi simple que ça. Allez. C'est bon. Ok, je suis sur la bonne voie. Je dois juste trouver un moyen de faire descendre le mont de charge avec plus de force. Avec plus de force? Ok, je dois passer de l'autre côté. Faudrait probablement que je tire quelque chose jusqu'ici, hein. Oh, franchement, ça fait plaisir des épisodes comme ça, plutôt tranquilles. Oula, ça par contre, c'est pas très tranquille en fait. Allez. C'est bon. Ah tiens, j'ai fait le tour là. C'est moi où j'ai fait le tour? Ouais, j'ai fait juste un tour. Useless. Ça permettra d'arriver plus vite. Par contre, je suis pas monté, c'est bon. Niveau 3. Est-ce que j'appuie E pour ramasser, ouais, ça. Qu'est-ce qui se passerait ici? Ça permet juste d'appeler l'ascenseur, ok. Il y avait un livre ici. Commandement à agent de terrain, stop. Trinity mécontent de l'absence de progrès, stop. Acquisition du phénomène étoile impérative, stop. Envoi d'un nouvel agent pour assurer succès de la mission, stop. Se pourrait-il que d'autres personnes se soient intéressées à cette île? Je n'ai pas le temps de chercher toutes ces réponses, donc je vais continuer afin de débloquer ce foutu ascenseur. Encore trois de plus et le monde charge tombera. Ah oui, d'accord, faut que je le fasse... Ok. Faut que je le fasse monter un maximum pour qu'il puisse casser. Il me donne un peu trop de munitions à mon goût, là, pourquoi? J'ai vu un... Ah oui, attendez, comment on fait pour accéder à ça? Je dois trouver un moyen de dégager le passage. Ouais, attends juste un peu, je voyais un coffre ici, un coffre de... Oula! Putain, j'ai eu chaud. Un coffre de matériaux, bon, c'est pas très grave au pire. Alors, faut que j'arrive au niveau 6. Niveau 6. Ah ouais, mais tout ça, c'est un mur de pierre en fait. Là. Ok. Le mur de pierre, il est pas accessible. Je pense qu'il est accessible de l'intérieur seulement. Putain, remonte. Remonte. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un petit passage juste ici, regardez. Ouais, je pense qu'il faut que je... Ouais, faut que je baisse l'ascenseur et que je passe à la dernière seconde en fait. Ouais. Faut que je fasse en fait vite ma manœuvre. Putain, c'est pas facile ce truc. Du coup, c'est erreur. Voilà comment j'aurais pu deviner qu'il fallait. Qu'il fallait passer aussi près. Il faut absolument que je débloque ce qui reste. C'est bon. Je rappelle l'ascenseur ici. Voilà. Ensuite, je le rappelle ici en haut. Et je passe par le trou juste ici. Ok, je l'appelle. Je saute quand c'est proche, genre ici. C'est bien. Je suis bien passé, je trouve, moi. C'est bien, je suis très bien passé, même. Putain. Ok, il y a, regardez. Une cage juste ici. Et en montant l'ascenseur, je pourrais... Ouais, je pourrais sauter, ouais, en montant... Ok, d'accord. Je vais faire comme ça. Putain, c'est vraiment... C'est vraiment tordu, leur histoire, là. Ouais, juste ici, regardez. Là, je pourrais pas me rater comme pour le trou tout à l'heure. Allez. Voilà.
juste aller récupérer le coffre ici. Je pense pas que ce soit très utile de venir par là. À part pour le coffre en fait, voilà. Bah tiens, 3 sur 3 pièces d'un fusil à pompe, nickel ça. Ah en fait, si, regardez. Bon, j'ai pris le coffre, c'est bien, mais il y avait un truc juste ici. C'est tout bête. Allez, il suffit de le forcer. Allez. C'est bon. Il y en a un de l'autre côté, je pense. Non, même pas. À moins qu'il y en ait un là-bas, je pense. Ah oui, il faut vraiment que je casse tout ça, ok. Il doit y en avoir un juste en dessous, je pense. Je viens de capter qu'il fallait casser ça. C'est vrai que je l'avais fait au tout début, en plus. Je vais pas passer par là, du coup. Je vais passer par là. Je crois que ça m'étonnerait que ça mène quelque part ici, au final. C'est par là qu'il faut passer, juste ici. Voilà. Ok. Il faut que je pète ces crochets là, ces sortes de ronds. Ok. Ici j'en avais raté un. De ce côté-ci. Juste ici. Allez, atterris là, s'il te plaît. Voilà. C'est juste devant mes yeux et moi je cherchais ailleurs. Voilà. Plus qu'un et le monde charge sera dégagé. Ok, ok, ok. Donc il nous faut un endroit, donc un carré, un trou en forme de carré dans le coin gauche. Je peux forcer cette porte. Allez. C'est bon, je l'avais déjà forcé tout à l'heure en plus. Sauf que je suis mort, c'est vrai. Alors, si je baisse ici, il nous reste un seul truc à péter. Il me reste juste celui-là à péter et c'est pas à cet étage-là. Faut que je cherche à quel étage faut que je le fasse. Du coup, je vais monter tous les étages et je vais voir un endroit où j'aurai l'accès à ce carré-là. Ah oui, regardez ici. Il y a une échelle. Ouais, ouais, juste ici. Il y a une échelle, c'est vrai, je viens de la capter en fait. Putain, vraiment relou cette énigme. Hein. Enfin, je sais pas si on peut... Ouais, c'est pas forcément... Ouais, c'est une petite énigme. Le truc, c'est que j'avais pas capté au début qu'il fallait péter les roues. Voilà, juste ici. Ça devrait être ouvert par là. Ouais, bah oui, voilà, nickel, le dernier. Fouf. Allez. Au bout de 45 minutes, j'ai finalement réussi. Bon, je déconne, j'abuse un peu, mais... Je peux pas sauter ça, c'est trop. Je vais descendre encore un peu. J'espère que ça en vaut la peine. Et d'ailleurs, j'ai... J'ai un fusil à pompe à améliorer, donc s'il y avait un feu de camp, ce serait cool. Petite roulade. Ah! On m'a entendu apparemment. En même temps, je fais un peu de bruit en fait. C'est quoi que je vois là-bas? J'ai l'impression de voir quelqu'un là-bas. Ah ouf! D'accord, je pensais que c'était un truc que le... Le sac de marchandises là-bas. Quand on sait jamais, je sors mon fusil d'assaut. Il est où le type? Ah, il est là. Allez, montre-moi ta tête, s'il te plaît. Il y a son pote. Merde. C'est bon. Il est là à se promener. Lui, il est mort. Là, il y avait sûrement un truc, j'en étais sûr. S'agit-il de cadeaux offerts aux anciens souverains du Yamatai? À moins qu'il y ait eu une bataille ici. À moins qu'il y ait eu une bataille. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu une grande guerre dans cette île. Enfin, une bataille plutôt. Ouh. Tellement stressant cet endroit. Il y a deux mecs, un par-ci, un par-là, mais il n'y a pas grand-chose quoi.
voir, c'est ça. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Et au final, il n'y a rien. C'est cool. Tu peux toujours oublier que j'ouvre tous les casiers, par contre. Vu que le premier ne contenait rien. Oula. Oula. Ça m'a tout l'air d'être un trône, là-bas. Ok. C'est ici. La salle du trône, ou c'est quoi ce délire, là? J'ai succès déverrouillé, pique assiette, ok? What the fuck? Ces personnages... des guerriers... ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général? Tu t'es fait seppuku. Pourquoi? Il s'est sacrifié, enfin il s'est suicidé pour ceux qui n'ont pas compris. C'est lui qui s'est planté la lame dans le corps. Magnifique. Ah, toujours coupante. J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Il faut que j'aille à la chambre des rituels. Oula, la bonne petite musique. Oh putain. J'ai pas intérêt à traîner ici. Ils savent que je suis là. Je suis dans la merde. Oh putain, je suis dans la merde. Ils sont aussi... là. C'est bon. Oula, je suis dans la merde. Merde. Je suis dans la merde là, ils m'ont encerclé. Putain, je suis pris dans un piège à rats. C'est bon. Merde. Il y en avait un juste derrière moi. Presque plus de munitions. Ok. C'est bon. Merde, merde. C'est bon. Faut que je fasse vite. C'est bon. Je monte, allez. Merde. C'est bon. Par là, allez vite, 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 vite. C'est bon, je l'ai eu. Je suis dans la merde, vite, 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 vite. Putain, j'ai réussi à me casser avant même de les tuer. Allez. C'est bon.
putain. C'est bon. J'ai réussi à m'en sortir. Et du coup, les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode, à moins qu'une cinématique vienne m'interrompre. Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour probablement la fin de l'aventure. Tu es où, bon sang? Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué! On a besoin d'aide! Non, ils ont besoin d'aide. Et bien voilà les amis, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour qu'on aille sauver les potes. Et voilà, c'était Aikiliu, ciao tout le monde.